<clears throat> so uh, this morning, actually, I, uh, concerning topic what we talked about yesterday, I got one good uh, questions. I think these questions are very helpful if we, we talk about this. You know, uh, uh, they could a uh, little bit clarified. Uh, you know, uh, many uh, many uh, uh, topics. So uh, first. Uh, Nous allons donc commencer en fait avec une question que j'ai reçu à l'issue de l'enseignement d'hier, et c'est une bonne question qui peut permettre de euh, donner l'opportunité de clarifier euh, euh, le, le sujet. Donc, je vous propose de commencer par cette question. La question est la suivante Comment se rendre compte si on fabrique une visualisation quand l'habitude et la facilité sont là, doit-on ressentir quelque chose existe-t-il des indices pour déceler cela i will say it in english, the question. Mm -hmm. so the question is the following. Uh, how can we be aware how can we become aware uh, whether we, we are fabricating a visualisation or not when the habit is there, when it's easy to do it, So, how could we um, be aware that there is this fabrication there? Should we feel anything? Is there any signs or any marks that could help us to or give us a hint that we are fabricating the visualization? Now, uh, this is quite, uh, quite nice. I, fi I find that's quite a good question. That's why I want to talk. When you when you uh, when you practice, uh, uh, start uh, uh, more or less whole like Vajrayana practice. Beginning there is two things, two things is find One thing, uh, beginning we need to be for a little bit like an artificial way of fabrication, you no. Know? Fabrication. So now should not remain with this. This fabrication has to be uh, naturally uh, actualization of the uh, reality. You know? For example, we, we are visualized, we are fabricating because we are fabrication. But due to this, uh, uh, the uh, blessing is can link, you know, blessing of the, of the like we, uh, we, we visualize generic, then. According with the instruction, uh, we visualize, then we visualize. Uh, if you just it's just do like mechanic technical, just remain like this. but we don't do this. We really, like with the devotion, confidence, we visualize. And uh, our uh, 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 our illusion mind, if believe this and focus with this, due to this. Also blessing is linked with this, you know. What is mean in a higher level of Bodhisattvas, they have spontaneously uh, manifesting activities. you know, without like purposely somebody tell you, then you have to listen, you know, blessing, not like this, just like generally goes goes. So due to this, when you do continue, then what you visualize comes reality you know c'est une bonne question et euh, pour commencer je dirais que c'est un peu c'est plus ou moins la, la même chose pour toutes les pratiques du vajrayana il y a toujours deux choses au début on va toujours commencer par lorsque l'on débutons une pratique euh, par une forme de fabrication, par quelque chose qui est un peu artificiel. Mais nous ne devons pas demeurer à ce niveau. Euh, il ne s'agit pas de rester à ce niveau donc, de fabrication ou d'artificialité. Nous avons besoin que depuis ce pr cette première étape euh, fabriquée, eh qu'il y ait une, une actualisation naturelle de la réalisation de la pratique. Donc, bien sûr, la visualisation, dans un premier temps, va être fabriquée. Mais pour ne pas rester simplement dans cette fabrication, eh bien il s'agit de se relier ou d'entrer en contact avec la bénédiction. Il y a donc l'exemple de la pratique de Chenrezhi. Nous suivons les instructions euh, telles qu'elles sont données dans la pratique donc pour établir cette présence éveillée de Chenrezi. Euh, et donc il y a, on pourrait dire que si, ça peut, il peut y avoir un aspect assez euh, mécanique, technique, mais il ne s'agit pas de demeurer dans, à ce niveau-là. Et c'est là qu'il faut amener euh, la dévotion. Il faut le faire avec dévotion, avec confiance. Et c'est ce qui fait que euh, notre esprit illusionné va alors se focaliser sur euh, cette présence et qu'il va y avoir un lien qui sera établi avec la bénédiction. Ainsi, parce que c'est ainsi que fonctionne en fait l'activité spontanée des, euh, des bodhisattvas éminents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin en fait d'aller leur dire quelque chose et qu'ils doivent entendre, etc. Ce n'est pas comme ça que l'activité éveillée fonctionne au niveau des bodhisattvas. C'est une activité qui est spontanée, qui est euh, spontanément présente. Et c'est grâce à cela que ce que l'on appelle la visualisation devient alors réalité. Now uh, related with this, when we do practice, you know, we do like example of generative practice. We do generative practice, and then uh, during the time, beginning is also your self. Uh, you know, practice is a like kind of uh, like structure. You know, like uh, all the procedures you do, but then also we we. Uh, visualize or we feeling try to benefit because all the sentient beings this is our idea you know one idea we do this but doing this beginning they have not so much capacity actually you know like uh, then doing continue slowly capacity develop you know slowly your capacity will develop now in order to develop there is uh, two conditions one is if you have a near you very authentic master teacher this will due to this guideline blessing your small capacity beginning is like your own illusion capacity but then doing practice doing the guideline doing the support your capacities grow properly you know beginning we don't know nothing just we pretending ourselves that, like, little bit like theater, pretend ourselves, then this theater pretending goes more reality, you know, due to the perfect guideline, you know, like this one thing. Then another thing is uh, uh, if you don't have really near you, uh, uh, like, I um, uh, per, per, uh, say, perfect guideline, you are, in, you are joined with the practice. Just like following the uh, uh, like a sangha, then you do like uh, uh, med, uh, like a visualization meditation. We do, but then for this we need one reference teachings. Due to the reference teachings, you 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 go to like like uh, like a map. You know, map when you. We have never been the place when you map when you arrive, you recognize the what you go to instructions. so similar, you need teaching, you do practice. then when you do practice, always improve your mind, but improve mind uh, then improve improve your mind due to the what you receive teaching, then you understand a little bit more better you know? so so due to this guidelines teaching guidelines is a sangha what you receive a common instruction combination together then when you do regular practice slowly you're understanding meaning similarity according with the teaching you know Prenons l'exemple de la pratique de Chenrezi. Lorsque nous pratiquons, bien sûr, au début, euh, il y a une forme de structure, de, de déroulé que nous allons suivre. Et à ce déroulé nous dit qu'il s'agit de sentir, ou par, la, que la, par le biais de la visualisation, que les bienfaits viennent toucher tous les êtres, tous les êtres sensibles. En fait, il s'agit d'une idée. Mais au départ, euh, nous n'avons pas cette capacité. Il n'y a pas de bienfait issu de notre pratique qui va toucher les êtres parce que nous ne sommes pas en capacité de le faire. Pour euh, être en capacité, pour devenir à même que cela soit une réalité, là, nous devons simplement continuer à pratiquer, pratiquer déjà, continuer à le faire. C'est ce qui va nous permettre que cette, cette, euh, euh, cette habileté ou cette capacité puisse se développer. Afin qu'elle se développe, il y a deux conditions. La première de ces conditions est d'avoir auprès de soi, d'être auprès d'un maître, d'un enseignant authentique. Et grâce à, son, à ses directives, à l'orientation qu'il va nous donner, eh bien, il y aura une bénédiction qui sera transmise et nos infimes capacités. Qui sont en fait simplement même une illusion de capacité, euh, vont pouvoir, euh, cette, cette illusion de capacité va pouvoir devenir véritable capacité et va pouvoir emprunter la bonne direction grâce à la présence de ce maître authentique. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit qu'au début, nous ne faisons que faire semblant, un peu comme si l'on est au théâtre, mais l'idée est de ne pas rester à ce niveau-là, mais que les choses, en fait, que cette... Euh, oui, que cette forme de, de bienfait que l'on essaye d'étendre aux autres euh, puisse devenir de plus en plus réel, puisse s'approcher de plus en plus de la réalité. Et ceci est possible grâce à cette direction parfaite donnée par un enseignant euh, euh, authentique. Euh, maintenant, s'il si n'y a pas cet enseignant euh, parfait ou authentique qui puisse euh, nous guider, nous diriger, euh, nous pouvons également, ça ne nous empêche pas de pratiquer, nous pouvons suivre aussi le sangha, suivre la communauté, donc pratiquer telle que la structure de la pratique nous le propose, en établissant cette présence éveillée, en méditant. Mais il nous faut alors une référence, il s'agit de la référence de l'enseignement, parce que cette référence de l'enseignement va agir comme une carte, lorsque ou comme un plan. Lorsqu'on ne s'est jamais rendu quelque part, on peut étudier le plan. Et une fois qu'on arrive à ce lieu, ayant étudié le plan au préalable, nous pouvons savoir, en fait, reconnaître des choses, savoir où se trouvent les choses, etc. C'est la même chose ici. En ayant ces enseignements de référence, une fois que nous rencontrons euh, certains, euh, certaines choses, eh bien alors, nous pouvons reconnaître la ce que l'enseignement... Euh, nous aura expliqué auparavant. Donc, il y aura cette référence qui sera là et qui agira en fait comme des étapes. Que nous allons pouvoir reconnaître. Il y a donc l'enseignement d'une part, la pratique ensuite, et c'est ce qui nous permet que l'esprit puisse euh, progresser, puisse se développer et que nous et, et d'acquérir une meilleure compréhension. Donc ici, dans ce deuxième cadre, eh bien en fait la euh, la direction, l'orientation, est donnée par l'enseignement d'une part, par le sangha d'autre part, et par les instructions communes que l'on que l'on reçoit. Et c'est en combinant euh, ces différents aspects, sur la base d'une pratique régulière, qu'une compréhension peut progressivement prendre place, et qu'à ce moment-là, nous nous approchons euh, du sens de l'enseignement. Le, le sens commence à être similaire à celui de l'enseignement. <coughs> we talk about two things now first is uh, like uh, there's one we say near the uh, um, uh, like uh, important master so that means uh, even you don't know anything you you try to do what instructions then always uh, exchange always exchange and when we do uh, we, we do practice and also when you near the master give teachings and also they knows where you are then give some uh, instructions make you correct, correct, even you don't know nothing, slowly you're understanding, uh, like a, a perfect, uh, you, there's possibility to be perfect uh, practice, you know, like, uh, you know, this, but uh, the, 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 this is possible. But then uh, another difficulty is uh, if there is a not really authentic master, but the teachings are there, teachings are there then you you keep the teaching what you procedure of the way to practice you apply you a uh, way of practice you apply procedure then there is teachings you uh, you learn the teachings then when you do practice you, your your guideline is a there is one t uh, t uh, t teacher but at the same time your your guideline is teachings you know through through the teaching, is teaching is just like a technical word, but when you practice, due to the practice, your mind get a little bit different vision. Different vision can go two ways. One, like normal tendencies, inter, intellectual, intelligent, this kind of tendencies can go. Another is a, a, due to the teaching, you little bit discover the ce que vous ressentez, ce que through this slowly Avec cela, vous comprenez mieux, vous savez. Améliorez la pratique, puis vous pouvez aller mieux. Donc, comme je le disais, il y a deux choses. Le, la présence d'un maître éminent, important qui fait que même si nous n'avons aucune connaissance, même si nous ne savons rien, juste par la mise en œuvre de, des instructions qu'il nous donne et par les échanges que nous avons avec lui, eh bien alors euh, il y a une possibilité euh, de pouvoir se développer parce qu'il y a cette présence d'un maître éminent, parce qu'il y a les instructions qu'il donne et l'échange entre lui et, et nous-mêmes avec la, avec la pratique. Et il peut ainsi, sur cette base-là, corriger, euh, les, les, les défauts de la, ou, ou les, les erreurs. Et c'est ce qui fait que même si nous n'avons alors aucune euh, connaissance, qu'il y a une possibilité pour une pratique parfaite. Ça, c'est euh, un cas de figure. L'autre cas de figure est plus difficile puisqu'il s'agit de, de l'absence, en l'occurrence, d'un maître authentique. En l'absence d'un maître authentique... Euh, qu'est-ce qui va jouer le rôle de, de ce maître? Eh bien c'est la référence de l'enseignement. c'est à dire qu'il s'agit de garder à l'esprit les enseignements reçus et de pratiquer d'autre part donc le, le déroulé ou le, le processus de la pratique. Nous apprenons donc les enseignements dans un premier temps il y a ensuite la mise en œuvre de la pratique et c'est ce qui devient alors notre ligne directrice. c'est ce qui devient donc ce n'est plus l'enseignant, il n'y a pas l'enseignant en tant que tel qui nous guide, mais c'est la référence de l'enseignement qui est notre guide. Bien sûr, quand nous parlons de l'enseignement, on va rencontrer tout un tas de termes techniques, ce sont des mots techniques, et c'est par la mise en pratique euh, qu'alors notre vision des choses, euh, qu'un changement va pouvoir s'opérer au niveau de la façon dont notre esprit envisage les choses. Sur cette base-là, il peut à nouveau y avoir deux chemins que nous empruntons. c'est-à-dire que nous pouvons rester dans nos tendances ordinaires et normales, avec juste, c'est-à-dire rester à un niveau de compréhension qui est intellectuel des choses, ou bien vraiment grâce à la référence de l'enseignement, découvrir en fait ou euh, identifier euh, ce, qui est, euh, ce qui est en nous et à ce moment-là, il y a une rencontre entre l'enseignement et nous-mêmes entre ce que la référence nous dit et nous-mêmes et, et, nous et c'est ce qui permet alors d'avoir une meilleure euh, une meilleure compréhension et qu'il y ait une véritable progression dans la pratique now one example yesterday i talked about the meditation so meditation you know in order to meditate develop of our habit That is first second third fourth i just make this easy to refer you know so now fourth time is it's, it's, a, it's a term it's a you you try to remain with the natural state of mind so instruction as a mind is a clear emptiness you know clear means uh, you can perceive everything empty means uh, there is no form nothing you know like try to remain with this it's not not say big things. Just like talking about yourself, your nature, state of mind. Due to the meditation, due to the preparation, you could stay like this. You know, you could perceive this. If you don't know, if you don't have background teachings, you, you perceive the natural clear emptiness, but you don't know what it means actually. You know, like uh, the uh, basic kind of. Um, conscious or what is this so now kunji so yes you mean you don't know if, what you is Qunji, or yes. or is it is kunji, namshe yes we like uh, the, the sound no kunji, namshe you know it's a natural state of mind but if you don't have a, like proper map i say like example teaching then you 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 feel your own confusion am good very good or bad you know you don't know what to deal with this so now there is a, a teachings a very simple way that's also i'm saying masters like third kamapa give instruction of the buddha nature and what does mean buddha nature what does mean namshi then if you have uh, uh, if you have a background for knowledge this then your perceptions uh, more or less you cannot say exactly But your perceptions refer with similarity. You understand. Then you can stay like this, meditate. Then sometimes you can meet an important master, like a, like a very important master Bodhisattvas. Then you can discuss. You know, I'm doing this. You know, like it's, then instructions are easy to make guideline. You know, it's. Uh, its term is quite strange, but in the in the Tibetan term, we call uh, offer the uh, present of the my realization. All the Medi people do this in order to not go wrong way. Uh, present my like for example, if you meet Kamapa, normally you have to do nothing to say, just nice things and hello like this. Your own. Uh, put uh, uh, basic potential you there is nothing to say because you don't know what to say but normal kind of tendencies you say but also come up and don't understand really your own illusion you cannot change so much you know. But due to the your practice there is some I uh, say feeling uh, uh, identify, identify of the Buddha nature or not, or is linked with the basic consciousness, because also you see clear until the obs obscured by the emotions, still clear, you can remain. Through this, there is called introduction of Buddha nature, or, or, or introduction of the, your state of mind, you, then you understand a little bit better your experience of the meditation. And then, if you little bit better, continue again. You have improvement. You can do better. You know. So that means you are not only alone with the teaching. Always exchange. So th th this kind of reason, reason to interview and discussion is meaningful. This used to do all the historically all the lamas. You know, like this. The first one, you are already with the. Like a uh, tagritajen, how do you? I uh, say go with the master. Yes, I do, uh, follow. Uh, follow the master. You are stay there. In the daily, daily life stay there, and then kind of uh, like uh, practice and uh, kind of exchange. Stay continue. Then, uh, then guidelines there. You know, like this. This is a they show. So due to this, even you don't know nothing. Slowly you know many things, and slowly you can discover the mm, way of living with the master and all the question and answer in your own practice. Poor this is another way. You know that's why I'm saying uh, two, two things. So, uh, beginning uh, no two things with the master like before here. Power this kind of our uh, Kamakama Kaju, but then change, uh, think or do jorumboche, like Ning side, you know, like this. So that's why I say sometimes uh, like uh, one is uh, like uh, Maturika's uh, example is quite good. He stayed many years with Tingo Chente Chanterum and then service, take care, receive teaching, receive so many years then slowly without uh, like uh, delicate you are guided by the nearby the master and then some are there's a, not this opportunity but you receive the teaching common and then you you uh, you get a guideline of the teachings guideline of the teachings and you do following the pr uh, practice and then guideline teaching Time to time, you meet certain masters, and then exchange of the, your, uh, your what you uh, realize of the, your practice through this uh, correction continue, then became uh, proper, you know. So uh, it's all linked to the question because we are I mean everybody is saying you receive a teaching you have to go yourself. Doing things if you just with the devotion like this looks like it's good. But if you intellectually look, I'm what I'm doing looks like artificial. It's very strange, you know, like this, can have this notion also, but actually not. If you're doing itself, there's always one link, you know. Link with the blessing, link with the blessing, gives you kind of a protected, like refugees, like this, protected. But then in order to improve you uh, uh, related with the teachings refer with the teachings we do meditate then correction of the uh, alum, uh, teachers who has experience of this line then exchange you know then improvement of the practice then get a good result you know Je parlais hier de la méditation et j'ai parlé de l'habitude qu'il s'agissait de mettre en œuvre avec les points 2, 3 et 4 notamment. C'est simplement des points en fait pour faciliter la, la référence. Il ne s'agit pas de, de figer les choses en, en tant que telles. Et le dernier point est le fait de demeurer dans l'état naturel de l'esprit. Euh, L'instruction qui est donnée est que la nature et que l'esprit est clarté, évacuité. Clarté signifiant qu'il peut tout percevoir, tout connaître, évacuité signifiant qu'il n'a aucune forme, aucune substance. Nous essayons donc, euh, l'idée est de parvenir plutôt à demeurer dans cet état naturel de l'esprit. Il ne s'agit pas en fait de quelque chose d'exceptionnel, de, puisqu'il s'agit simplement de cet état euh, euh, originel de l'esprit, de cet état naturel de l'esprit. Et il est possible d'y parvenir sur la base d'une euh, pratique, d'une méditation, en fait, qui est euh, menée de façon appropriée. Si euh, nous n'avons pas les enseignements idoines, euh, euh, cela peut-être va nous permettre, nous allons peut-être euh, percevoir des choses, rencontrer des choses, expérimenter des choses, mais nous ne saurons pas ce que c'est. Et nous allons finalement... Nous ne saurons pas si euh, ce dans quoi nous demeurons, ou plutôt si, si l'esprit euh, repose simplement dans euh, son état naturel, ou s'il s'agit plutôt de la conscience base de tout, jinamche Parce qu'en fait, nous n'avons pas alors les informations appropriées. Nous n'avons pas le plan qui nous permet de nous diriger. Et nous ne savons pas si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose. Il y a une forme, nous sommes un peu perdus en fait et nous ne savons pas comment non plus euh, avancer ou progresser ou gérer ce, euh, cette, ce, ce, euh, ce que nous rencontrons. C'est la raison pour laquelle il y a notamment les enseignements du troisième karmapa euh, au sujet de la nature de Bouddha qui ont été, euh, été donnés, également au niveau de ce qu'est cette conscience ordinaire, Namshe, et ce qui nous permet d'avoir en fait des informations. Sur ce qu'est la nature de Bouddha d'une part, ce qu'est la conscience orientée vers un objet d'autre part, si nous avons cette connaissance de base, ou cette, ce, ce contexte plutôt, ce bagage de, de, de connaissances, alors euh, nous, pouvons, nous, nous pourrons nous y référer dans ce que nous rencontrons dans la méditation. Et. C'est ainsi qu'au fur et à mesure du temps, il y aura une forme de rapprochement entre ce qui aura été compris et étudié d'une part et ce qui est vécu ou expérimenté dans la méditation d'autre part. Et puis, alors, sur cette base-là, nous avons besoin euh, parfois de rencontrer un maître, soit un, un véritable enseignant ou un bodhisattva important, qui nous permet en fait d'échanger. Sur là où nous en sommes dans notre dans notre pratique, de dire par exemple, c'est là je suis en train de faire ceci, et c'est sur la base de cet échange qu'il peut donner les instructions, nous donnant une orientation qui vont nous nous guider. Ces instructions vont alors nous guider, euh, nous guider notre progression. Au, au Tibet, Tibet, tibétain, en fait, on dit que on offre ou on présente notre réalisation. pas pull Ça veut dire que euh, on présente la ce, au maître que l'on rencontre, à l'enseignant, là où nous en sommes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on rencontre le karmapa, à part lui dire bonjour, on n'a pas vraiment grand-chose à lui dire. Et euh, bien sûr, on va... Euh, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment où on en est. On, nous ne savons pas vraiment où se, euh, se trouve notre... Euh, oui, on en a dans notre, dans notre pratique. Et tout ce que l'on aura à lui dire, ce n'est rien d'autre finalement que l'expression de nos tendances ordinaires. Et le karmapa, bah, forcément, écoutant nos... nos euh, nos balbutiements euh, illusionnés va pas vraiment pouvoir changer grand chose. On va pas vraiment pouvoir nous donner une direction. En revanche, s'il y a une véritable pratique, euh, là, il peut y avoir un échange. C'est-à-dire que il peut y avoir, euh, un, comme rendre, nous pouvons rendre compte de, de cette pratique. Il peut voir si ce qui a une -ce qu il y a quelque chose qui est véritablement identifié, parce que euh, en termes, par exemple, de la nature de Bouddha ou pas. Est-ce qu'on euh, est davantage en lien avec la conscience base de tout ou est-ce qu'au contraire, on est déjà dans cet aspect de la nature de Bouddha Ou est-ce qu'on est pris par... Donc en, nous, nous demeurons dans cet aspect de la conscience base de tout qui est ensuite vite pris ou coloré par euh, les différents obscurcissements affligeants. En fait, il y a alors un échange véritable qui peut prendre place sur la base de ce qui a été pratiqué. Et là, il peut y avoir de la part de ce maître éminent, ou par exemple du karmapa, une introduction à, la vérité, à notre nature de Bouddha. Il peut y avoir quelque chose qui rencontre notre, euh, notre propre état d'esprit. Et c'est sur cette base-là qu'il y a une meilleure compréhension. Cette compréhension s'affine euh, au fur et à mesure de, de la méditation. Donc c'est la façon d'avancer, de, de pratiquer, de, de progresser et de ne pas être seul, on ne reste pas seul non plus dans ce cas de figure avec l'enseignement. L'enseignement est une base qui ensuite nous permet de pratiquer et ensuite nous permet de rencontrer, en fait, d'échanger avec un enseignant. C'est la raison d'être et c'est ce qui historiquement c'est toujours passé. C'est la raison d'être d'un enseignant authentique, tous les lamas ont progressé ainsi, ont actualisé le, le fruit ainsi. On peut voir dans l'ornement de la précieuse libération de Gampopa, ceci donc est décrit dans le chapitre consacré à la de vertu et à la façon de suivre un, un ami, de, un enseignant qui est expliqué, la façon dont on peut euh, l'observer dans son quotidien également, la façon de, de pratiquer, la façon d'échanger avec lui, qui permet de, ensuite d'acquérir de, de plutôt une ligne directrice ou une orientation pour notre pratique. Et grâce à cela, si l'on a un enseignant ainsi à, à portée de main, euh, eh bien, même si nous n'avons pas de connaissances, même si nous n'avons pas vraiment de, euh, de, euh, oui, de forme d'érudition, en fait, ce n'est pas grave parce que nous pouvons alors découvrir en mettant en œuvre ces instructions progressivement euh, la façon ou l'orientation à emprunter. Et quelque part, nous découvrons grâce à cette proximité avec l'enseignant euh, comment euh, ou quelle direction prendre. Il y a aussi, du fait de cette proximité, la possibilité d'avoir des échanges et donc à chaque fois bien d'être corrigé, d'être ou, ou, ou mieux orienté et de progresser ainsi. C'était par exemple le cas avec des maîtres comme Gendun Rinpoche, Pao Rinpoche ou Kalo Rinpoche pour les maîtres Kagu, mais la même chose avec Dilgo Kenser Rinpoche ou Dudjom Rinpoche pour les maîtres Nigma. Mathieu Ricard était par exemple un excellent exemple de personne qui a mis en œuvre ce qui est donc préconisé notamment dans l'ornement de la précieuse libération de Gampopa en servant notamment Dilgo Khyen en prenant soin de lui en étant là en recevant ses, ses enseignements et euh, en étant ainsi guidé dans son quotidien par par ce maître maintenant il n'est pas forcément toujours possible d'emprunter ce type de ou d'avoir ce, euh, ce type d'opportunité et à ce moment là L'autre euh, option consiste à recevoir les enseignements, à les étudier, à avoir vraiment toute l'orientation que nous donne l'enseignement, à la mettre en œuvre, à pratiquer de manière régulière, et de temps à autre de pouvoir rencontrer un maître authentique et d'échanger avec lui, et ce qui nous permettra alors euh, d'avoir davantage de euh, soit d'être corrigé, soit d'avoir davantage d'instructions pour progresser dans notre pratique et de continuer jusqu'à ce que la pratique puisse s'actualiser. Donc cette, tout ce que je suis en train d'expliquer est associé à la question qui a été posée initialement, euh, parce qu'en fait nous sommes tous, euh, nous sommes tous pareils. Euh, bien sûr, au début, on va, nous pratiquons avec une forme de, de, de dévotion et tout nous semble, tout semble très bien. Et puis à un moment donné, il y a toujours une forme, il y a des questions qui, qui s'élèvent, il y a des doutes. Qu'est-ce que je suis en train de faire euh, Qu'est-ce que c'est que cela donc il s'agit de bien comprendre, d'avoir les, les, bons, les bons outils pour, euh, pour comprendre ce lien avec la bénédiction, parce que c'est la bénédiction qui agit comme une protection, comme un peu comme le refuge par exemple, et c'est ce qui nous permet de euh, progresser. Donc il y a cette référence de l'enseignement d'une part, l'aspect de la pratique méditative d'autre part, et le fait de corriger cela avec de, de, de rendre compte de notre pratique pour qu'elle puisse être corrigée ou au contraire euh, affinée par un enseignant authentique. Et c'est cela qui euh, permet la progression et l'actualisation du résultat. Maintenant, je vais un peu comme nous we parlé la méditation basic comme chez nous aussi. But then I talk about it. Is like uh, we talk about the basic, uh, your, uh, preparation of the meditation. Then after, also we talk about the uh, 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 the fourth state, remain with the Buddha nature. And in order to Buddha, remain with the Buddha nature, you rec recognize of your uh, state of mind. But in order to uh, get really quality, they need also. So, certain support is very important you know uh, support is important because uh, uh, in our uh, self uh, since many uh, remain in a long time in the samsara concept you know because we are linked with the desire linked with the discrimination linked with the jealousy linked with the pride these things are our nature without uh, uh, emphasize uh, naturally comes, you know, this kind of a, uh, uh, well, some state of mind to link with this. So due to this, we could lot of uh, um, uh, accumulate of the uh, uh, of the karmic deeds. There is positive, negative karmic deeds. You know, karmic deeds resolve, is there's no definition, not really. Last time somebody asked you, so I say example. Kami did the result is a little bit like a vegetable soup, you know, because one vegetable soup, is many different vegetables cook together. Then the result soup tastes is different, you know, bad or good, both. So, so Kami did like this. So we, we live like this. Due to this, our mind is kind of a lot of uh, obscured. Due to this, our nature state of uh, Quality is a lot of obscure, not saying painted obscure, but the tendency obscure, not not like painted, you know. Obscure means like painted or put cotton, not like this. Tendency, even you are very clever, your tendency is mind is focused with this, you know. So, therefore, in order to, uh, in order to, a little bit like, uh, how you say? It? It's a difficult to say uh, term, but normally we say like a uh, little bit like purified or not purified. So we have another idea, just like clean by water, not like this. Change tendency. In order to change tendency, there's a negative de a little bit de de decreasing, positive things are increasing. This gives a. Uh, mm, uh, i say value to the your state of mind you know so usually we say karma purification accumulation this kind of terminology but the reality is like this you know like we we are now when we look our mind we don't see but fully we are a tendency of the human beings right now you know we don't see so much past but the present we are totally human beings. So these tendencies are uh, cannot perceive uh, your own uh, um, uh, uh, clear mind. You no know, clear mind means like a call it of the Buddha, Buddha state of the, we call it Buddha nature. Buddha nature has to be like a resource a clear mind. This very difficult to get clear. So, in order to clear this, we need a lot of uh, preparation, you know. Preparation, like we talk about uh, uh, negative things, reduce the you know, natural quality of the positive, have to rise. In order to this also link with the Vajrayana teaching, a lot of uh, blessing from the Buddhas, Bodhisattvas, is help in the natural kind of a function movement of the our nature so these things are very important you know comme nous l'avons vu donc l'idée est d'être et euh, la nécessité de cette forme de méditation de base, nous avons parlé de Chiné hier et également de la préparation à la méditation, euh, dans le but de pouvoir demeurer dans ce qui est appelé cette quatrième euh, étape, ou cette quatrième phase, de demeurer donc dans cette nature de Bouddha, dans notre nature de Bouddha, c'est-à-dire dans une véritable reconnaissance de l'état naturel de notre esprit. Et euh, pour ceci, il nous faut en fait, pour que cette qualité puisse s'actualiser, nous avons besoin en fait d'un soutien, d'un support. C'est euh, quelque chose de tout à fait important que d'avoir une forme d'aide ou de support pour cela. Parce que cela fait longtemps que nous demeurons euh, dans des concepts, des, des, des conceptions samsariques. Nous sommes constamment reliés à une forme de désir ou à une forme de de discrimination, de jalousie, d'orgueil, de, etc. Tout cela est présent euh, naturellement euh, autour de notre esprit, en fait, est présent dans, en notre esprit. Et notre, notre, cet état naturel de, de l'esprit est lié euh, à, ces, euh, à ces obscurcissements. Et donc, euh, il y a tous ces, euh, ces obscurcissements qui font que nous sommes constamment en train d'accumuler de, des, des actes, constamment en train d'agir, dans un mélange en fait, d'actes bénéfiques, parfois néfastes, euh, à d'autres moments. Et c'est ce qui fait que le, le résultat n'est jamais défini. Il n'y a jamais quelque chose de certain, parce que c'est toujours un mélange d'actes positifs, d'actes bénéfiques ou d'actes néfastes. Et le, je prenais euh, souvent cet exemple, c'est comme une soupe de légumes où en fait on ne peut jamais savoir le goût final de la soupe parce qu'il dépend toujours des différents légumes qu'on va mélanger et il n'y a jamais un goût, comment dire, un goût certain, parce qu'on met toujours tout un tas de légumes dedans et qu'en plus, selon la proportion de l'un ou de l'autre, la soupe va alors avoir toujours un, autre, un goût différent. Donc c'est la même chose au niveau de ce processus karmique. Euh, dès qu'on est pris par quelque chose que l'on va peut-être, euh, tiens, je vais aimer un peu plus cela ou vouloir un peu plus cela, l'esprit est immédiatement obscurci. Et euh, il ne faut pas envisager cet obscurcissement comme une forme de peinture ou comme quelque chose comme un, un voile qui est apposé sur l'esprit. Euh, comme, un, 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 comme une forme de tissu qui viendrait euh, cacher quelque chose, mais plutôt comme une, une tendance, comme une habitude, un pli en fait qui, qui est pris. Et par exemple, on va être pourtant tout à fait très très intelligent et très malin, mais en fait c'est toujours cette tendance-là qui va prendre le dessus. Et c'est cette tendance-là qui va orienter la, notre focalisation, la façon dont nous, dont nous nous focalisons sur les choses. Et donc c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle nous parlons souvent de purification, mais à nouveau ce terme pose problème parce qu'on va penser que c'est comme euh, on va juste nettoyer avec de l'eau et que tout va partir. En fait, quand nous parlons de purification, ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais il s'agit en fait qu'un changement s'opère au niveau de nos tendances. En d'autres termes, il faut qu'il y ait moins d'actes néfastes, que les actes néfastes se décroissent et qu'au contraire, il y ait davantage d'actes bénéfiques qui soient accomplis. Et c'est cela qui va, être une, euh, qui va qui agira comme une purification. Et c'est ce qui donnera ou révélera la valeur de cet état euh, de l'esprit. Et alors, il y a une purification, justement, du karma et une accumulation euh, de, ce qui est, de ce qui est bénéfique. On parle toujours, oui, de purifier le karma négatif, d'accumuler quelque chose de, de, du karma positif. En réalité, il s'agit en fait qu'un changement. La réalité, c'est qu'un changement s'opère au niveau de nos habitudes et de nos, de nos tendances et nous ne voyons pas à quel point euh, nos euh, nos tendances humaines euh, prennent le pas sur, sur tout on ne voit pas le passé on ne peut voir que aujourd'hui maintenant ce que nous ce que nous sommes et en fait nous sommes totalement euh, en, en, des êtres humains nous sommes totalement nous sommes totalement pris par cette habitude d'être un être, un être humain et finalement on ne perçoit pas du tout la clarté sous-jacente de notre esprit donc on n'y a, a aucune nous ne sommes plus en, nous ne sommes pas en contact avec cette nature de bouddha avec cette, cette clarté de l'esprit il est difficile de comprendre à cause de cette habitude d'être un être humain euh, il nous est difficile de comprendre ce qu'est cet état naturel de notre esprit et c'est la raison pour laquelle nous avons, il est nécessaire euh, que de, euh, les, les bonnes préparations soient, soient accomplies. Et ces bonnes préparations consistent donc à diminuer tout ce qui va être néfaste et au contraire à essayer de, euh, de, de, de contribuer ou de, de faire en sorte que toutes les qualités naturelles et bénéfiques puissent euh, se, se déployer et prendre place. Et pour cela, dans les enseignements du Vajrayana, il est notamment question de la, du support ou de l'aide, de la bénédiction des Bouddhas et des Bodhisattvas, qui vont ainsi soutenir ce mouvement naturel vers euh, d'entrer de, de, en contact avec euh, notre, notre état naturel de l'esprit. Very much uh, 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 important, you know. Dependent there also. Like we, when we uh, uh, we practice, there's also one difficult. This human nature, one difficult. Very confidence is difficult. But some people, due to the also basic karmic reason, confidence is not so difficult. Naturally, we have confidence. But now, when you confidence, we uh, we practice linked with the like uh, uh, like a uh, link with the Sambhogakaya, Kaya, like Genndrasi, uh, Tara and uh, like uh, Manjushri. All, all these uh, practices uh, practices are considered high wisdom Bodhisattvas, you know, not like a uh, uh, personal. you know, this is also important. because personal, this for this, this for this, I do this, in, in order, uh, I have result, I would do this. This doesn't work actually. This is a like a, not enlightened beings works, but very enlightened beings doesn't work this because enlightened beings has a mind has a uh, how you say hmm, uh, how you say no discrimination and uh, no uh, kind of uh, uh, how you say. Hmm, uh, uh, equal for all the beings, economy, state of mind, all the beings. So, so therefore, you cannot make them work. What we have to do is, uh, we make a wish myself, and due to this blessing, by uh, accumulation of the positive merit, and purify of negative deeds, and then practice. This result. Then fulfill what we make wishes, you know. So, because that's where also we are we are worldly tendency. If I I need this, I will push this, I will get a result. This is worldly, yeah, like a exchange, you know. There is a certain deity, something I make prayer, an offering, I want to get my result, I get a result, you know, this kind of exchange. This is possible. But this possible, relatively possible, but absolutely through this we don't get enlightenment ourselves. But re refer with the higher level of bodhisattvas manifestation of the different, uh, different form. Uh, when you do this, due to the, our merit, our effort, our uh, 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 confidence, then our result naturally works naturally why work because basic karmic tendency which is a uh, not function power is dissolved then another part increasing then all the function works you know but then there is uh, some kind of uh, particular words are uh, uh, added so we believe this we do but uh, i'm talking about the base <laughs> Like for example, sometimes we do long life prayer, or sometimes you know, like this kind of, we just add and just our wishes, but not try to because we have this tendency. I apply this, he will do. I will do. You know, this also exists it's very important. But we of a higher level of bodhisattva practice mainly myself achievement same direction of the same quality of the bodhisattva. This is the main goal, not. A relative function, you know. Of course, the relative function will come, but it's very naturally coming, but not purposely, you know. Si nous souhaitons vraiment qu'un changement s'opère au niveau de nous-mêmes. Est important la, la façon de pratiquer est importante. Um, et une des un des aspects qui est parfois difficile problématique uh, pour uh, nous en tant qu'êtres humains, c'est dans notre nature humaine et celui de la confiance. Quand vous dites confidence, vous mean dire okay. yes. so, um, et c'est donc et cet aspect donc depa de. Et cet aspect de la, euh, de la confiance est d'une forme de conviction également. Ça, c'est quelque chose de, 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 de difficile pour nous. Euh... Mais ici, dans le cadre de la pratique, euh, il s'agit en fait d'une confiance qui est liée euh, notamment aux aspects du Sambhogakaya. Par exemple, lorsque euh, dans le cadre de la pratique, nous parlons de rézi de Tara ou encore de, euh, de Manjushri, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une confiance dans une personne ou une personnalité, mais dans la sagesse euh, des bodhisattvas éminents. Euh, parce que la tendance que nous avons, qui est là, euh, c'est qu'il y a toujours... Euh, qu'on veut toujours faire quelque chose, nous faisons quelque chose pour avoir quelque chose. Et donc, nous pensons qu'il s'agit en fait de pratiquer pour que cela fonctionne et que comme j'ai pratiqué, il y a quelque chose qui va, mettre, euh, qui va me revenir ou qui va, euh, que, je vais, que je vais recevoir et que ça va fonctionner ainsi. Parce que je pratique, j'aurai quelque chose euh, en réponse à cette, à cette pratique ça ça fonctionne avec des êtres non éveillés des êtres ordinaires mais avec des êtres éveillés ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent un être éveillé n'a euh, fait aucune, euh, il y a aucune différenciation dans son esprit il n'y a ni discrimination ni différenciation euh, euh, il euh, considère tous les êtres comme, comme égaux et il n'est pas pris par parce que quelqu'un fait quelque chose, il va lui donner en récompense ou en réponse autre chose. Il s'agit en fait de pratiquer, d'émettre ses souhaits euh, pour d'aller dans une certaine direction, et en fait de simplement de se relier à la bénédiction. Et sur la base de ce lien avec la bénédiction, mais également grâce à l'accumulation d'actes bénéfiques euh, au préalable effectués, ainsi qu'à ce que l'on a vu, la purification des actes néfastes, il y aura alors une, une conséquence à cela, ou entre, en d'autres termes, un résultat, qui sera que nos souhaits seront, euh, seront comblés. Mais il ne faut pas l'envisager, nos tendances... Euh, Mondaine et ordinaire veut toujours que oui, je veux quelque chose et donc pour l'avoir, je fais ça et je l'aurai. Et donc on va adresser des prières à une divinité, des offrandes et on va pouvoir ainsi en obtenir quelque chose, comme un, en fait un processus d'échange. C'est une possibilité, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Cependant, il faut savoir que ça leur restera à un niveau relatif de, de résultat. Et cela, nous, nous per, de rester dans cet état d'esprit-là ne nous permettra pas d'actualiser euh, l'éveil. Lorsque l'on euh, entre, en, ou plutôt lorsque l'on utilise, on emploie ces, euh, ces man, la manifestation de ces bodhisattvas euh, éminents, en fait, la, leur, euh, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est aussi par la force de notre mérite, par la force de euh, la purification de ces, des actes néfastes que nous aurons accomplis, et par la force de cette confiance, de cette, euh, de cette conviction, euh, qu'un résultat va naturellement prendre place. C'est-à-dire qu'il y aura une conséquence naturelle qui, euh, euh, qui se déploiera. Parce que, nos tendances de base qui nous empêchent justement d'aller dans cette direction auront été euh, épuisées ou, ou, ou seront moins, euh, feront moins obstacle, ont été oui, dissoutes. Et parce que d'autre part, tout ce qui est bénéfique aura, euh, aura pris de l'ampleur. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là que les choses vont fonctionner. Alors bien sûr, on peut ajouter des choses, par exemple, il y a euh, des pratiques spécifiques ou encore on va réciter des prières de longue vie, par exemple. Mais pas le, 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 la partie principale n'est pas de se focaliser là-dessus. Notre problème est cette tendance à penser que parce que j'applique quelque chose, en échange, j'aurai autre chose. Pas, ce n'est pas ainsi que, euh, que la pratique fonctionne ou que les pratiques en lien avec les, les, les Bodhisattvas éminents fonctionnent. Parce que le, le but principal de ces pratiques est d'actualiser un état ou des qualités similaires à eux-mêmes. Et ce n'est pas en fait d'améliorer notre, euh, notre ordinaire relatif. Bien sûr, par la pratique notre ordinaire ou nos, or relatif, va aussi s'améliorer, mais ce n'est pas, pas le but. C'est naturellement il y aura un, comme un effet secondaire positif de la pratique, mais en fait ce n'est pas le but de ces pratiques. So like a very simple uh, practice sadhana in order to a little bit like I uh, say in understanding how to deal with this if a, if a simple, simple sadhana. If you try, try to look, what you're saying, what you're like, what you're aiming, what you're saying, what like you, you make procedures, if you try to look one by one word, what is Ali talking about? What for? If you try to look a little bit, analyze, then slowly a question comes. Why have to do this? What benefit? What for? You know, like this. Like, for example, often when you do practice one sadhana, there is a seven branch. We call seven branch prayer. You know, then seven each. There is one sentence, one kind of meaning. Then question is: What is what is for actually? What why talk about this? Then first, second: Why all this combination seven is why important? You know, what looking for this? What benefit? Uh, to, just try to uh, un, uh, understand you know understand so then it's not so difficult you all understand when you understand this application is what for you know what makes it, the, the result uh, you you will you will, you will see one thing. So Gopal, what you will show is in order to change your, Kind of a, um, uh, state of mind, like we talk about the samsaric perceptions, samsaric tendencies, uh, according with the seven branch topic. Why? Which reason? Why? Then we slowly we see the changing the samsaric uh, 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 how you say obs uh, uh, tendencies. You know. So changing this, what benefit? Benefit, my mind is more easy to focus, focusing less duality, uh, you know, less duality, and uh, uh, state of mind is more able to think other beings. Uh, and also you, we can see more like uh, uh, authentic uh, bodhisattvas, how to deal, this kind of uh, concept express there you know en euh, mettant en œuvre des pratiques simples nous pouvons comprendre justement comment juste en observant ces pratiques simples comprendre en fait le, essayer de comprendre le pourquoi du comment euh, c'est-à-dire vraiment s'arrêter sur ces pratiques sur les mots pourquoi est-ce qu'il pourquoi ceci est dit euh, telle chose est dite à cet endroit quel est le but de cela de vraiment se poser les questions c'est-à-dire de regarder dans les pratiques que nous accomplissons euh, de regarder vraiment précisément, exactement les choses les unes après les autres, d'essayer d'analyser un peu euh, ce qui est dit, pourquoi cela est dit, essayez de, de chercher le but de, tiens, pourquoi cette phrase-là, pourquoi dans, dans les pratiques, les choses sont éc écrites de manière précise. Par exemple, euh, il y a euh, la, une prière que l'on appelle la prière en sept membres, en sept branches. Et chacune, de ces, chacune des, euh, des phrases, constitue donc une des, une des branches de cette prière, eh arrêtez-vous sur chacune d'entre elles. Posez-vous la question, en fait, à quoi est-ce que cela sert euh, Pourquoi cette phrase-là Qu'est-ce qu'elle veut dire à quoi, De quoi elle parle À quoi fait-elle référence Pourquoi faut-il combiner ces sept aspects finalement Pourquoi sept Pourquoi quelle est l'importance de, euh, de tout cela Les bienfaits de tout cela Il s'agit d'essayer de comprendre et ce n'est pas si difficile que cela euh, à comprendre non plus. Euh, et ça va nous permettre de, de comprendre pourquoi nous le mettons en œuvre, qu'est-ce qui nous est nécessaire également. Et cela va nous approcher également du, du résultat. Il y a alors, parce qu'à un niveau global, l'idée est de changer, qu'un changement s'opère au niveau de notre état d'esprit. Actuellement, nous sommes pris par nos perceptions samsariques, nos façons, notre façon samsarique de connaître, nos tendances. Et. La raison d'être de l'application de la prière en cette branche, eh bien, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va, euh, que, en quoi cela peut changer cette tendance que nous avons, cette tendance, nos tendances samsariques, et pourquoi est-ce que ça les change. Et c'est comme ça que nous allons, que nous parviendrons clairement à ce que, euh, à le comprendre et à ce qu'un changement prenne véritablement place. Donc. Se poser des questions chercher le bienfait se demander le pourquoi de faire cela euh, prendre le temps d'examiner cela est quelque chose d'important parce que cela va nous va permettre à l'esprit de plus facilement se concentrer enfin de rester concentré dans les phases de la pratique par exemple ça permettra que l'esprit soit moins soumis à la dualité qu'il soit plus ouvert aux autres à la pensée des autres et euh, il y aura alors plus d'authenticité même dans notre rencontre avec, euh, différents bodhisattvas et nous saurons alors comment les bodhisattvas gèrent euh, les situations et nous-mêmes euh, parviendrons à, à le faire de manière plus authentique et c'est cette euh, c'est tous ces concepts en fait qui sont exprimés dans euh, les pratiques que nous que nous mettons en œuvre. So normally ten, ten, tendency, you cannot switch off, you know, you cannot one idea cannot change. It's like basic consciousness has to be. Perceive something through this slowly tendency change. So, therefore, like for example, if you like a friend of the Buddha or Bodhisattvas, then you see the quality of the Buddha and Bodhisattvas, then beneficial of the you are connected with this, you try to understand it step by step. If you do, beginning is just following, but slowly you are more and more convinced, you know, convinced with this. Then there is a uh, the offering and uh, like uh, uh, we call chobabua, like this kind of uh, things are. then uh, uh, what for is for, for Buddha or for me, you know? because sometimes uh, we have no idea, just we do this. And sometimes we idea but not really convince yourself. So slowly what I'm doing exactly, then you see doing this actually something develop myself, you know? not for buddha yes we might feeling this but due to this uh, my nature is uh, like uh, changing then purification the, uh, on all this kind of uh, how you say mm. regret of the or, or recognize of the negative things purification and then asking uh, these things are also what exactly meaning so when you see the meaning Oh, i see due to this kind of way of thinking action that's reason i need to purify it and due to this i regret because i should not do again due to the, my ignorance my tendency my habit i do a lot of this this i have to reduce also you have to know you cannot change immediately but idea reduce and recognize and then slowly through this uh, observation how negative things uh, should not link with myself when you recognize this then again mind is a kind of a, a tendency is a convinced with different way then naturally then your tendency is a, a little bit uh, comes more closer of the of the practice you know Lorsque nous parlons qu'un changement, lorsque nous disons qu'il s'agit qu'un changement s'opère au niveau de nos tendances, il faut bien comprendre qu'il n'est pas possible juste d'éteindre ou d'allumer comme on le ferait avec un avec un bouton. Euh, C'est quelque chose qu'il s'agit, euh, qui peut prendre place seulement s'il y a une prise de conscience euh, profonde. C'est-à-dire seulement si quelque chose est profondément compris, profondément euh, euh, perçu. C'est ce qui alors permettra progressivement euh, de changer. Euh, ces tendances-là. Euh, par exemple, dans le cadre de la prière à cette branche, on va parler des bouddhas, des bodhisattvas, on va voir leurs leur qualités, euh, voir à quel point en fait, il y a, comprendre qu'il y a un réel bienfait à se, à se relier à ces qualités ou à aspirer à ces qualités. Et alors, on va, nous allons nous, nous relier à cela, essayer de rentrer en contact avec cela. Bien sûr, au début, nous ne faisons que suivre les choses. Mais au fur et à mesure de cette analyse, de cet examen, euh, nous en sommes en fait de plus en plus convaincus. Une, une, une conviction s'ancre en nous. Il y a quelque chose qui nous, qui nous imprègne euh, davantage. Puis après, par exemple, il y a aussi les autres, euh, les autres branches de cette prière, comme euh, l'hommage, les offrandes. De nouveau, il s'agit de se poser les mêmes questions. Euh, pourquoi euh, faire rendre ces hommages euh, au Bouddha Pourquoi euh, effectuer ces offrandes Est-ce que finalement c'est pour le, le Bouddha Ou eh bien est-ce que c'est pour moi euh, Parce que souvent, en fait, nous lisons les choses, nous les faisons, mais nous n'avons vraiment aucune idée du pourquoi. Euh, oui, du pourquoi est-ce que c'est euh, est -ce est nécessaire Ou parfois nous les faisons, mais sans, sans aucune conviction au fond. Et donc, l'idée est de bien comprendre qu'il s'agit de. Euh, euh, que nous puissions progresser, qu'il s'agit en fait de nous-mêmes et de, et de personnes d'autre. Et que c'est ainsi qu'alors, euh, sur la base de cette compréhension, un changement peut, euh, peut prendre place. Et puis, il y a également la phase de, de purification. Où on va donc reconnaître les actes néfastes accomplis, les regretter. Mais que, de nouveau, qu'est-ce que le sens de cela Reconnaître pour qui, pourquoi. Il s'agit de se poser toutes ces questions euh, pour bien comprendre que, par exemple, dans cette branche de la purification, eh bien, il y a besoin que notre façon de penser ou d'envisager les choses et d'agir qui en découlent eh bien, doivent être ou euh, euh, ont besoin d'être euh, euh, purifiés, c'est-à-dire d'être euh, en accord avec, euh, avec l'enseignement, parce que c'est grâce à cela alors que notre ignorance ne prendra plus pas, que nos tendances ne prendra plus pas, donc il y a une compréhension euh, du besoin de réduire ces, ces, actes, euh, ces actes néfastes. il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas changer immédiatement. Euh, il faut comprendre que c'est du fait de nos, de nos obscurcissements euh, affligeants que les choses que nous agissons, que nous euh, Entrons en relation par ce, euh, ce prisme-là et que les, nous agissons de manière néfaste. Et donc, en le comprenant, en se posant toutes ces questions dans la pratique, enfin, quand, par exemple, dans le, dans, plutôt en, en se posant les questions en lien avec ce que nous, ce que nous pratiquons, et bien, alors nous allons voir que nous ne voulons plus nous relier à ces aspects-là, à ces aspects néfastes. Et c'est comme ça que nous sommes qu'il y a une conviction, et c'est sur la base de cette conviction que nous ne voulons plus nourrir ces, euh, cette direction ou ces tendances. Et c'est alors que nos habitudes, nous prenons alors d'autres habitudes qui nous rapprochent de la pratique. So through this also, like asking teachings and also like dedication, these things are also. Make a big, sense, big different. You know, beginning is we don't just following this like, uh, like uh, how you say, it's uh, torture. But actually, your your concept change, You know, thinking all the beings, thinking teaching for not all the beings, and my work, my, whatever I do, dedicate, dedicate for the old beings. Beginning is a little bit like artificial. You know, but result is slowly like Lojong, training your mind. You know, slowly your mind open for others and doing something for others and also try to achieve yourself from suffering, from difficult conditions. Mm -hmm. You know, there, there is too beneficial, we call this. These things are naturally, first, uh, precept, all the perceived things are relative conditions. Then slowly it goes more, like deep like a wish for free of the suffering teaching so help this and my work also do do something for the beings and my whatever I did positive things also can go to the other beings and other beings go through the blessing of the bodhisattvas even my capacity is not that strong but through the bodhisattvas then they can go the my uh, uh Merit share with others. These things are just like if beginning. If somebody says this, you have to think, yes, I will, I like this, but actually, naturally, your mind is getting changing, and this changement gives more freedom of the kind of a, a concept really linked with the samsara, att attachment to the samsaric tendency. You know. Il y a aussi, toujours dans cette partie de la prière, en cette branche, le fait de requérir l'enseignement et puis le fait de, de dédier ce qui a été accompli. Et ça aussi, en fait, ça fait une grande différence lorsque l'on essaye de se poser un peu, d'examiner, de comprendre, de réfléchir à ce que cela veut dire. Au début, en fait, on suit un peu la structure de cette prière de façon un peu, un peu mécanique, mais euh, lorsque l'on se penche vraiment sur le sens. Euh, notre façon d'envisager les choses euh, change. On va penser davantage, en fait, à, à quel point, bien, c'est utile pour les êtres. Et puis à quel point, bien, effectivement, juste penser aux autres, à dire, bah, tiens, puisque ce que j'ai fait être, être utile aux autres va, va prendre une autre saveur. Au début, bien sûr, c'est quelque chose d'artificiel. Mais au fur et à mesure, en le faisant, c'est un peu comme un entraînement de l'esprit, comme Lo jong c'est-à-dire qu'on va ouvrir davantage son esprit aux autres. Euh, on va essayer. Il y a toujours ces, ces, ces deux bienfaits d'essayer d'actualiser de, euh, euh, un, un résultat pour soi-même, mais il y a alors aussi l'autre aspect qui est d'actualiser le résultat ou de contribuer à actualiser ce résultat pour les autres. Et donc c'est nat naturellement, eh bien en pratiquant de la sorte, euh, il y aura. Une façon de percevoir nos conditions relatives qui va changer, mais il y aura également ce, euh, moins de souffrance pour nous-mêmes, moins de mal-être. Il y aura aussi cette, ce souhait de vouloir euh, contribuer à faire quelque chose euh, pour les autres qui, euh, qui prendra place et d'essayer naturellement de de dédier ce que l'on a fait de bien et eh bien que cela puisse être utile aux autres et que même si euh, nos capacités sont encore bien minimes eh bien en, en le faisant et en, en étant relié à ces, à ces bodhisattvas éminents et eh bien alors notre, ce, ce mérite là va pouvoir se répandre et va pouvoir être partagé avec les autres au début nous sommes toujours dans une forme de oui, c'est quelque chose que j'aime faire, et ce que je veux faire, mais c'est sur la base d'une compréhension qu'il y a vraiment un changement qui peut s'opérer dans, qui puisse s'opérer dans l'esprit. C'est ce qui va nous donner beaucoup plus de euh, de liberté, ou plutôt va nous euh, va, va contribuer à être moins assujetti à l'attachement à nos tendances samsariques. So, I will do continue tomorrow. So now, today I'll leave here and we'll do dedication. nous allons donc en rester là pour aujourd'hui en dédiant donc, euh, le mérite et nous continuerons demain.